La chambre. Veuillez vous asseoir. Donc, nous reprenons nos audiences avec la poursuite de l'audition du témoin qui avait pris M. Dautrich Mike. Monsieur l'huissier, est-ce que vous pouvez le faire rentrer dans la salle? Bonjour, Monsieur Dautrich. Bonjour, Monsieur le Président. Bien. Nous avons été obligés de suspendre votre déposition parce qu'il y avait le week-end. Donc, nous allons la reprendre là où on s'était arrêté. Et pour ce faire, donc, vous avez la parole pour poursuivre votre déposition. Merci bien, Monsieur le Président. J'étais vraiment vendredi dernier sur le point d'arriver à la fin de la déposition. Je voulais vous rappeler les grandes lignes. C'est-à-dire, tout d'abord, j'ai parlé un peu des méthodes d'Amnesty International, comment elle a essayé de vérifier des renseignements qu'on recevait des informateurs par-ci, par-là. Il fallait expliquer de nouveau que nous, on n'avait pas un réseau d'espionnage au Tchad. On était à ce moment-là surtout basé en Europe. Nous avons pu envoyer une délégation en 1985 à N'Djamena pour s'entretenir avec principalement du ministère des Affaires étrangères et de la DDS. J'ai par suite donné un résumé des actions d'Amnesty International entre 82 et 90. Et je me suis penché principalement, presque totalement, sur les renseignements que nous avons reçus et les renseignements que nous avons apportés à l'attention des autorités tchadiennes et que nous avons publiés avant décembre 1990, c'est-à-dire avant qu'on ait pu avoir accès aux témoignages des personnes libérées à ce moment-là, avant qu'on ait pu confirmer la disparition définitive de certaines personnes, et avant qu'on ait pu commencer à avoir accès à toute la documentation qui maintenant a été préparée pour la Cour, mais au début pour la commission d'enquête. Et c'était donc pour vous montrer que déjà, avant le départ du Tchad du président Habré, qu'énormément de renseignements au sujet de violations massives des droits civils et politiques
étaient sur le champ public. Vendredi dernier, je me suis penché surtout sur les réactions des autorités tchadiennes. Je voudrais peut-être aujourd'hui brièvement attirer votre attention sur la réaction de certains autres milieux importants. Tout d'abord, des Nations Unies, parce que c'était par voie des Nations Unies que vraiment on voulait informer les autres États. Et vendredi dernier, j'ai fait référence au rôle du rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions sommaires et arbitraires. Et je voudrais répéter que celui-ci, qui à cette époque-là, c'était un avocat kényan, a envoyé à plusieurs reprises, à beaucoup de reprises, des communications et des demandes de renseignements aux autorités tchadiennes. Par exemple, je note un document publié par l'ONU en 1989, où le rapporteur spécial a noté, entre autres, et je cite, « entre autres causes de décès sont dénoncées l'absence de soins médicaux, une alimentation tout à fait insuffisante, le manque d'eau, la mauvaise aération des cellules surpeuplées, des brutalités et autres mauvais traitements. » L'ONU a été informée et le rapporteur spécial a publié chaque année son rapport. C'était tout d'abord les diplomates au niveau de la Commission de l'ONU des droits de l'homme qui étaient informés, mais qui devaient bien sûr informer leur propre gouvernement. Et certains documents, certains gouvernements, par suite, ont eux-mêmes publié des constats sur les réalités tchadiennes. Mais bien sûr, les autres États, normalement, ils vont réagir sans sans dévoiler leur analyse de ce qui se passait. Donc, le seul État qui publiait à ce moment-là, un peu comme Amnesty International, un rapport annuel au sujet des droits de l'homme, c'était aux États-Unis. Et je dois dire que les rapports publiés avec un chapitre Tchad au cours des années 80 n'ont pas aidé les responsables américains à comprendre les réalités de ce qui se passait au Tchad. Je voudrais terminer avec quelques constats sur la responsabilité des différentes niveau dans la chaîne de commande, si vous voulez, au Tchad. Et réitérer que notre objectif au secrétariat d'Amnesty International était tout d'abord d'identifier les violations commises et pas nécessairement les personnes responsables pour chaque violation. Donc le niveau de preuve qui était nécessaire pour nous pour dire publiquement qu'il y ait eu un cas de torture, c'était au sujet de la probabilité. Ce n'était pas qu'on était certain qu'un certain monsieur était responsable pour avoir tué ou pour avoir torturé. On a confirmé avec nos informateurs fiables. Et puis, on pouvait se prononcer là-dessus en disant, oui, il y a eu violation ou des droits d'un individu ou violation massive. C'était assez rare que l'organisation se prononçait sur les responsabilités,
C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on l'a fait au cours des années 80 dans le cadre du Tchad. Par exemple, en septembre 84, il y a eu des violations massives dans le sud du pays et on a nommé deux des autorités militaires qui ont joué un rôle là-dedans, pas pour dire qu'ils étaient responsables directement, mais pour dire, voilà, on a compris que M. Untel, qui est commandant de l'armée, ou un autre qui était responsable pour une force de sécurité dans la zone, avait une responsabilité comme autorité commandant ces unités. Et vendredi dernier, et je vais terminer, on a également publié les dernières deux ans, avant le départ de M. Abré, des documents qui donnaient le résumé des constats que des détenus ou d'autres personnes nous avaient fait au sujet de la responsabilité du président de la République. Alors, c'était bien avant que nous ou des autres avons pu consulter la documentation de la DDS. Et donc, c'était assez rare à ce moment qu'une organisation de droits de la personne allait dire, comme on en dit, que voilà, selon les dires de certaines détenues, le président de la République a lui-même décidé que certaines détenues devaient mourir, ou que le président de la République est intervenu au sujet du traitement des détenus politiques. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on avait reçu beaucoup de témoignages. Bien, Monsieur Dautrich, est-ce que cela met fin à votre déposition ou bien c'est seulement le résumé de la matinée? C'est vraiment la fin de ce que je voulais attirer à votre attention. Bien. Bien, la Chambre vous remercie pour toutes les informations que vous avez communiquées et que toutes les parties ont certainement pris acte. Nous allons donner la parole à M. le procureur. Certainement, il a certaines questions à vous poser pour un éclaircissement de telle ou telle partie. Je vous remercie, Monsieur le Président. À titre liminaire,
Je voudrais simplement faire quelques observations pour limiter au maximum les incidents d'audience. C'est une question qui ne serait pas en lien direct avec les faits et la période considérée. Nous devons sans cesse rappeler que c'est Hissène Habré qui est jugé ici pour des faits commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Ceci étant, je laisse la parole à M. Diallo pour ses questions. Je vous remercie, M. Al. Monsieur le Président, bonjour Mike d'Autriche. Je commence ma réaction par dire que nous avons beaucoup apprécié votre intervention depuis vendredi. C'est tout à votre honneur et celui d'Amnesty. En fait, vous avez eu le mérite d'être sur le terrain durant la période considérée, c'est-à-dire de 82 à 90, pour dénoncer les violations graves et massives des droits de l'homme supposés reprochés à M. Habré. Vous étiez là avec d'autres pour, disons, la sauvegarde ou le respect des droits de l'homme en général, c'est-à-dire des droits de l'homme général, mais aussi veiller au respect du droit de Genève. Ceci dit, M. Dodridge, pouvez-vous nous préciser, Amnesty, on en entend parler, vous avez précisé que c'est une organisation née dès les années 60, mais je voudrais savoir, première question, votre logo, qu'est-ce qu'il signifie? Le logo de Amnesty. Je vois une bougie entourée de barbelés. Pouvez-vous nous dire la signification de cela? Merci bien. Monsieur le Président, je vais expliquer ce que je me rappelle, tout en soulignant que j'ai quitté l'emploi d'Amnesty International il y a 20 ans. Voilà donc, effectivement, Amnesty International a été lancé pas comme une organisation, mais comme un appel à la conscience de l'humanité dans l'année 1961 par un Britannique, Peter Benenson, avec un appel en faveur de la libération de trois personnes qu'il appelait en anglais prisonniers de conscience, mais donc en français prisonniers d'opinion. Là-dedans, là, parmi les trois, il y avait par exemple un religieux, un archevêque hongrois, et il y avait un africain, un poète angolais, il s'appelait M. Agostinho Neto, qui est devenu par suite pas seulement chef politique du mouvement armé nationaliste, le MPLA, mais également président de la République angolaise à la fin des 70, et tristement responsable, lui, pour des violations massives des droits humains. Mais c'était un des prisonniers d'opinion, à ce moment-là incarcéré à cause de ses opinions et pas de l'organisation de l'action armée. Voilà, il y avait une réaction populaire, surtout au début en Grande-Bretagne, surtout au début parmi des anglophones, mais rapidement, donc, des gens ont décidé qu'il fallait établir plutôt une institution pour continuer
ce genre d'appel. Et au début, l'idée, c'était que parce que c'était la guerre froide, il fallait maintenir l'équilibre. Il fallait se montrer très clairement neutre pendant cette époque de la guerre froide. Donc, en principe, dans une localité où il y avait des membres d'Amnesty International, parce qu'effectivement, l'organisation est devenue une association de membres. À la fin des années 80, il y avait peut-être 1 million de membres partout dans le monde. L'idée, c'est qu'on allait, comme on disait, adopter et s'occuper de prisonniers individuels, un dans la zone dite de l'Est communiste, un dans les pays dits de l'Occident et l'un dans un pays en voie de développement. Si, Mike, cette réponse me satisfait. Et maintenant, au niveau du Tchad, vous interveniez par ce qu'on appelle action urgente, urgent action en anglais. Je voudrais savoir quel est le but de ces actions urgentes. Ce n'était pas simplement de demander la libération d'un prisonnier d'opinion. C'était une méthode qu'on a introduite dans les années 70, au début dans le contexte des dictatures en Amérique latine. Donc, le premier appel était lancé au Brésil lorsqu'on pensait qu'un prisonnier d'opinion était en voie d'être torturé. Donc, c'était une action qui devait déclencher des appels qui allaient arriver dans un délai de quelques jours au niveau de certaines autorités ou pour protester contre la torture ou pour demander des assurances que le détenu en question n'allait plus être torturé. Et par suite, on a décidé que c'était également une méthode qu'il fallait utiliser s'il y avait ou risque d'exécution extrajudiciaire ou des renseignements au sujet de certaines exécutions extrajudiciaires où il y avait des risques que d'autres personnes allaient mourir aussi. Donc, c'était, comme je disais, des interventions aussi rapides que la technologie des années 80 ou 70 pouvait permettre, bien sûr, dans l'époque avant l'existence de l'Internet. On demandait des télégrammes, puis des téléx, certains ministères, certains chefs d'État avaient une machine téléx. Je me rappelle bien de certaines autres autorités africaines dans d'autres pays où on était bien informé que la machine téléx du chef de l'État se trouvait tout près de son bureau. Et donc, c'était en quelque sorte un moyen de toucher directement les autorités. Dans un de vos documents qui a été publié, Women in Prison, les femmes en détention, publié donc en 88, et concernant le Tchad, vous avez eu à citer des personnes comme Mabruka Houni Rahil, comme Mabruka, comme Hawa Brahim, surnommé Marje. Et curieusement, alors que vous n'utilisez que le temps Auré, au conditionnel donc, curieusement, ces gens qui ont été publiés dans ce rapport rendu public ont été effectivement détenus dans les lieux de détention de la DDS. Je n'en veux pour preuve que la cote 21-25 qui concerne Hawa Brahim alias Marje, la cote D-848 qui concerne Hadji Birin Merami Ali et Khadija Hassan Zidane dite la rouge.
Donc, vous utilisez le conditionnel, mais on se rend compte à travers l'exploitation des documents de la DDS qu'effectivement, ces femmes avaient été détenues à la DDS. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Surtout, Monsieur le Président, c'est pour souligner que nous n'étions pas sur place. On ne pouvait pas publier des renseignements définitifs en disant Monsieur Untel est sans doute aujourd'hui en détention. On a reçu des renseignements. En anglais, on aurait dit selon les renseignements reçus, plutôt que utiliser le conditionnel, c'était pour montrer que voilà, selon tout ce qu'on avait appris, ces gens-là, effectivement, ces quatre femmes se trouvaient détenues. Mais c'était possible même ou qu'il y avait des erreurs ou surtout qu'il y a eu un changement de circonstances entre la réception d'un renseignement et la publicité. Donc, souvent, il s'agissait de quelques mois. Et dans ces cas précis, voilà, on savait qu'il y a des mouvements de détenus politiques à N'Djamena même, entre les locaux, entre le Bessir et la DDS, voilà. Et dans le cas des quatre femmes, on pensait savoir où elles se trouvaient. Et c'est un document, donc un appel publié au début de 88. Et c'est vrai que par suite, on a confirmé qu'au moins une des femmes en question, qu'on l'avait transférée dans le nord du pays. Donc ce genre de détails qui montrait que nos renseignements n'étaient toujours pas les dernières nouvelles de quelqu'un. Donc on utilisait toujours le conditionnel. Surtout pour des cas de torture et des cas d'exécution extrajudiciaire. Pour toujours vérifier la véracité de vos renseignements en dépit du conditionnel que vous utilisez, vous parlez des détenus politiques. Et les détenus politiques, vous parliez du fait que ça a été dénoncé. Et effectivement, dans une fiche ou dans un rapport du 4 décembre 1986, retrouvé aussi dans les archives de la DDS, rapport qui a pour objet liste nominative des détenus politiques dans nos différents locaux, liste qui a été établie par le chef du service pénitentiaire, qui relève donc de la DDS, et que cette liste comporte à peu près une centaine de personnes dans les différentes détentions, les cellules. On retrouve beaucoup de personnes, Ngarba Ousmane, Mahmoud Youssouf, Koti Ali, Abbasidi, beaucoup, en tout cas une centaine. Monsieur Dodridge, vous vous dites finalement que vos renseignements se révèlent être la réalité, parce que la DDS parle effectivement de détenus politiques. Qu'en dites-vous? Voilà, Monsieur le Président. Les termes utilisés au niveau public, surtout par certains États, étaient souvent de nier qu'il y ait des prisonniers ou des détenus politiques dans un pays, de dire que tous relevaient du droit commun, par exemple, de dire que des terroristes qui avaient posé une bombe étaient tout simplement des détenus de droit commun. Voilà, nous avons constaté à un certain moment que le traitement donné aux personnes arrêtées pour un motif
politique quelconque était souvent beaucoup pire que le traitement accordé à des autres prisonniers. Alors le contexte politique, pour nous, c'était quelque chose de très large. Il pouvait s'agir d'une détention de quelqu'un qui n'avait eu aucune action, aucune activité politique, mais parce que c'était un service, une agence de sécurité qui s'occupait des affaires politiques, qui l'avait arrêté, la personne en quelque sorte devenait détenue politique. Et là, effectivement, dans beaucoup de pays, et le Tchad était parmi ces pays, il y a eu des détentions arbitraires, des détentions effectuées par un agent de la sécurité de l'État simplement pour extorquer de l'argent, donc pour ses propres fins. Mais c'était donc un contexte politique et on a utilisé ce terme de façon large. Bon, publiquement, normalement, un gouvernement allait parler d'atteinte à la sécurité d'État, par exemple, alors que dans sa documentation plus privée, on parlait de détention ou de détenus politiques. Voilà. Savoir quelle a été la réaction des autorités, des plus hautes autorités du Tchad, par rapport à vos différentes dénonciations publiques. Monsieur le Président, j'ai donné un peu le résumé vendredi dans mon témoignage. La réaction plus détaillée était en mars-avril 1985, quand les trois délégués d'Amnesty International ont visité N'Djamena à l'invitation du ministère des Affaires étrangères et ont reçu les commentaires, surtout de M. Saleh Younous, sur les listes de personnes arrêtées ou portées disparues. Alors, aujourd'hui même, je ne peux pas vous dire que les renseignements qu'on nous a donnés étaient des mensonges. Par exemple, dans le cas des personnes, des 38 personnes nommées qu'on avait arrêtées à Abéché en juillet 1983, M. Younous a accepté qu'il n'y avait que 6 personnes toujours détenues. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne peux pas vous dire parce que parmi les 6, personne par suite n'a réapparu. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il était toujours en vie et tout simplement, ces personnes sont mortes par suite? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, quand même, on a accepté la version donnée par l'autorité tchadienne et on a publié un document public précisément pour porter à l'attention publique les renseignements présentés par les autorités gouvernementales à Amnesty International. Voilà. Vendredi dernier, dans mon témoignage, je me suis référé à, également aux déclarations publiques faites à plusieurs reprises par soit un ministre de l'Information, soit une ambassade, les ambassades qui ont réagi, c'était principalement celles aux États-Unis et en France. Au début, je crois, la première réaction publique, c'était en octobre 1983, et je peux dire que c'était un peu typique des premières réactions d'un gouvernement qui se sont mis sur le banc des accusés. C'était pas de nous accuser de mauvaise foi, mais de dire, voilà, des gens de mauvaise foi sont en train de vous passer des informations fausses. L'année suivante, après les événements de ce qu'on appelle Septembre noir, après notre communiqué de presse, c'était le lendemain,
Je pense que c'était le même ministre de l'Information qui, encore une fois, a nié ce qu'on avait publié. Et à ce moment-là, nous a invités à visiter. Donc, c'était le premier pas vers la visite de l'année suivante. Vous m'excusez. Donc, par rapport à ces réactions, on s'est rendu compte, en exploitant les archives, encore une fois, de la DDS, à travers un rapport d'écoute. Le rapport d'écoute, je rappelle que ça vient d'un service source ouverte pour source d'écoute. Et c'est un service, comme l'a décrit l'ordonnance de mise en accusation, qui occupe une place centrale au sein de la DDS, parce que chargé de recouper tant la presse nationale qu'internationale et quotidiennement, de faire un rapport adressé au directeur de la DDS, lequel en fait une synthèse directement destinée au président de la République. Et dans un rapport d'écoute du 8 novembre 1984 à 7h30, il est précisé qu'Amnesty International dénonce violemment à RFI le massacre par les forces gouvernementales dans le sud du pays. C'est une fiche interne à l'administration tchadienne. Des prisonniers en garde à vue auraient été exécutés sommairement, des civils auraient été massacrés, plusieurs ont été brûlés vifs. Amnesty fait également état de disparition. La garde présidentielle et la police de sécurité sont directement mises en cause par l'organisation, ainsi de suite. Ce qui veut dire que manifestement, vos dénonciations n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Monsieur Mike. Voilà, effectivement, comme vous, après décembre 1990, j'ai eu accès un peu à ces mêmes renseignements et on a appris qu'effectivement, on a porté directement à l'attention du président de la République les dires par ce service spécialisé de la DDS. Même si un ministre de l'Information ou un ministre des Affaires étrangères ou une ambassade avait le droit de réagir publiquement au constat d'Amnesty International sans se référer à la présidence de la République, et c'est vrai que documentation de novembre 1984 montre que ce n'était pas le cas, qu'il fallait consulter le président de la République. Je crois que le déroulement de notre visite ajoute un élément, c'est-à-dire nos délégués, dès leur arrivée à N'Djamena, avaient expliqué à M. Froud, au ministère des Affaires étrangères, qu'on avait deux listes de personnes arrêtées à Béché, portées disparues dans le sud du pays. Et on avait donc, semble-t-il, arrangé un entretien direct avec le président de la République. Collègues, de ce que nous avions dit par la radio ou par des autres voies. Et c'est vrai, déjà, dans ce document de la DDS, on se référait seulement à l'émission de RFI. Mais à ce moment-là, je crois qu'on contactait déjà le service arabe de la BBC, communiqué de presse. On avait contacté le service de la BBC
qui s'occupait de l'Afrique. Donc là aussi, des gens au Tchad étaient renseignés, pas seulement en anglais, mais en français et en arabe, de nos préoccupations. Voilà. Toujours s'agissant des réactions, on a pu retrouver une lettre d'agence, agence tchadienne de presse, qui est un peu l'agence de presse gouvernementale, donc chargée de dégager ou vulgariser la position gouvernementale. Et dans un numéro, bulletin numéro 2373, bulletin numéro 2, du 21 février 90, donc au plus fort de la crise avec la rébellion qui venait de l'Est du Soudan, et l'agence de presse tchadienne disait ceci: mais que vaut au juste Amnesty International? Elle dit que le Tchad est un pays qui vient de loin. Des filles et des fils du Tchad ont été déportés en Libye. Je survole le document. Les Tchadiens se sont battus corps et âme pour se libérer du joug de la domination étrangère. Le document poursuit. Cela devient un rituel chez certaines organisations baptisées humanitaires dans leur vision du Tchad, d'épiter à intervalles réguliers, périodiquement, des calomnies, des médisances et autres contre ce pays et ses dirigeants. Je souvois le document, le président de la République, Elhadj Issen Habré, alors que nos relations avec les organisations humanitaires s'étaient bien dégradées, le président de la République, donc, dans un esprit de conciliation, a accordé en juillet 87 une audience au directeur des opérations d'une de ces organisations. Ne feront rien. La violation des droits de l'homme, Amnesty International et consorts, la voient partout, sauf là où les problèmes humanitaires sont sacrés. S'adressant à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le sous-secrétaire d'Amnesty International a évoqué l'exécution de nombreux prisonniers au Tchad ces quatre dernières années. Michel Larry Cox, dont on ignore toutefois. Toutefois, parle de lieux de détention secrets, de prisonniers privés d'eau et de nourriture, etc. Le tout à partir de « il paraît ». Le texte donc conclut en disant ceci. Sacrée organisation humanitaire, aux visites que leur proposent les autorités tchadiennes pour rétablir la vérité dans les droits, préfèrent le confort de leur bureau, quitte à fabriquer leurs informations, informations qui ne résistent pas à la réalité. Pour nous, au Tchad, la cause est entendue. Ni les campagnes de désinformation, ni la volonté délibérée des pseudo-organisations humanitaires de nuire à ces pays ne nous détourneront de la marche engagée vers le progrès socio-économique de l'homme tchadien. Le respect des droits de l'homme, ce n'est pas Amnesty qui nous l'apprend. C'est inscrit dans la Constitution de la République du Tchad, constitution prédictée par 5 millions de Tchadiens à la sortie du référendum. Étiez-vous au courant de ce qu'on pourrait appeler du volet de bois vert contre Amnesty, de ces critiques, de ces diatribes contre Amnesty? Merci bien, Monsieur le Président. Oui, effectivement, on a essayé de s'en renseigner, surtout de ces réactions, des réponses données par les autorités à n'importe quel niveau. Et là-dedans, normalement, on trouvait deux éléments un peu différents, même en contradiction. Premier élément, c'est de dire, voilà, il y a une intoxication, des renseignements faux. Donc là, c'est une question de vérifier, n'est-ce pas? C'était assez facile de faire des enquêtes ou même de demander que des enquêtes soient faites. Je peux vous rappeler qu'en 1979,
après des dénonciations ou des critiques par Amnesty International d'un événement, un massacre de jeunes lycéens à Bangui, que c'était le sommet franco-africain lui-même qui avait envoyé une mission d'enquête en République centrafricaine pour établir les faits. Et ça, c'est donc la question de une accusation disant que les renseignements c'était faux. Mais l'autre aspect est également pertinent. On disait, voilà, on a des problèmes politiques, on a des problèmes d'opposition armée. Et là, les autorités elles-mêmes semblaient dire que certaines prisonniers ne recevaient pas le traitement qu'il fallait selon les termes de la loi tchadienne. Donc, je me réfère à un document d'Amnesty publié en 1989 et on se réfère à la réaction de l'ambassade du Tchad en France en août de cette année. Et là, on dit que l'engagement de l'opposition armée, donc à ce moment-là, dans l'est du pays, justifiait, et je cite, « le traitement exceptionnel subi ». Mais l'ambassade ne précisait pas le nombre de prisonniers soumis à ce traitement, ni de quoi il s'agissait. Donc, c'était pour nous important, lorsque les autorités se prononçaient et semblaient dire, oui, il y a des traitements hors de la loi, il y a des traitements spéciaux pour certaines catégories de prisonniers. C'était important, donc, d'établir quel était le cadre. Est-ce que c'était un cadre? Est-ce qu'il y avait un cadre juridique? Est-ce qu'il y avait une base légale? On savait que dans certains pays, par exemple, la détention administrative était autorisée par la loi, pas simplement par les décisions arbitraires des policiers ou même par des hommes ou femmes politiques. Il nous semblait qu'au Tchad, c'était l'arbitraire. L'arbitraire, donc, qui était imposé systématiquement. Et je reviens donc à notre visite de 1985, où, dans les mois précédents, on avait suivi un discours du président Abré, où il a parlé de bavures dans le sud du pays, alors que, selon les renseignements reçus, il y a eu des centaines de personnes tuées hors de combat, c'est-à-dire pas des combattants, mais des prisonniers tués de façon systématique. Donc, à mon avis, pas de bavure, mais quelque chose, pas seulement illégal, mais des violations massives des droits civils et politiques. Excusez, mais je rebondis sur ça. Est-ce qu'il y avait une base légale à ces longues détentions et au traitement exceptionnel de prisonniers politiques? Voilà. Bien sûr, on s'est informé tout d'abord sur les textes tchadiens, c'est-à-dire le code pénal, le code de procédure pénale. On a cherché, on a posé des questions. On n'a jamais eu la satisfaction d'identifier des textes qui établissaient un cadre légal, ni pour les disparitions, ni pour les détentions sans accusation formelle, sans procès, au secret. Bien sûr, non plus pour la torture, ni la mise à mort de détenus, ni des exécutions extrajudiciaires ou des prisonniers à N'Djamena ou des civils
arrêtés dans différentes préfectures, différentes régions du pays, ni pour les massacres, les cas d'exécution extrajudiciaire des anciens combattants qui ont déposé leurs armes, comme le cas que j'ai cité à Delhi, dans le sud, en septembre de 1984. Voilà, merci. Vous rappeliez le vendredi dernier que Amnesty, une délégation d'Amnesty devait être reçue par le président Habré et qu'au dernier moment, l'audience n'a pas eu lieu parce que ce dernier devait recevoir un ministre congolais de Brazza. Je voudrais savoir quel devrait être le contenu de votre entretien avec le président. Vraiment, Monsieur le Président, je ne peux pas vous dire parce que je n'étais pas présent. Le mois dernier, donc, j'ai contacté un des trois délégués et il m'a dit, voilà, on demandait des éclaircissements au sujet des individus, du sort des individus nommés dans nos listes. Et on allait, avec M. le Président de la République, on allait certainement lui demander de quoi il s'agissait, ces bavures. Sinon, je peux vous dire de façon générale que normalement, lors d'un entretien très poli avec un chef d'État, on n'allait pas simplement présenter nos préoccupations, on allait également présenter des recommandations. Parce que notre objectif était de changer la situation, d'empêcher la répétition des violations, d'introduire des mesures nécessaires, les remèdes nécessaires. Donc, je peux supposer, sans avoir accompagné cette délégation, que les entretiens auraient suivi cette direction. Dernière question me concernant. Et pensez-vous, Monsieur Mike, que les autorités tchadiennes ou les plus hautes autorités tchadiennes, je veux dire M. Habré, a eu, après vos nombreuses dénonciations sur les violations massives des droits de l'homme, ces autorités du Tchad ont eu à prendre des mesures concrètes pour prévenir ces violations, pour en punir les auteurs, ou tout simplement les faire cesser? Est-ce que vous aviez ce sentiment qu'il y avait des mesures globales concrètes dans ce sens? L'impact de nos actions. Il y a eu des pays à bien avant où on n'osait même pas citer le nom d'un détenu parce qu'en citant le nom, par exemple, d'un détenu politique à M. Idi Amin, on pensait qu'on mettait la personne en danger. Au Tchad, c'était plus compliqué et plus nuancé. Mais jusqu'à la fin, donc en 90, non. On n'a pas eu l'impression que les autorités avaient accepté une de nos recommandations. On n'avait pas des renseignements qui montraient que les conditions d'incarcération se sont améliorées. Donc, l'aspect positif que je peux attirer à votre attention, c'est qu'il y a eu quand même des appels en faveur de certains détenus qui ont été libérés par suite. On a commencé avec les cas des quatre femmes, et c'est vrai que ces quatre-là, il y a eu des libérations. Donc, il y a eu
de solutions positives. Est-ce que nos appels ont joué un rôle là-dedans? J'ai aucune idée. Une autre question, la dernière vous a... Je peux dire que l'enseignement que nous avons reçu en mars 1991 ont confirmé la véracité de ce que nous avons publié, mais qu'on n'avait pas bien saisi le niveau de la répression, je peux dire le niveau de l'horreur, le niveau des décès. On a pu s'entretenir avec des prisonniers qu'on avait nommés dans nos appels. Et on a, bien sûr, appris un supplément de renseignements au sujet de exactement leur expérience. Et en quelque sorte, c'était pour nous, au niveau méthodologique, très important de pouvoir comparer les deux. Il y avait des détails, des noms, période spécifique de détention. On a pu apprendre un supplément sur les motifs de détention. Donc, on a pu se renseigner, mais en général, c'était pour vérifier et puis de mettre nos informations à jour. Mais on n'a pas pu avoir un supplément de renseignements détaillés sur tous les cas de disparition. Dans quelques cas, des anciens détenus nous ont expliqué ce que eux, ils savaient de la mort de certains des disparus. Mais restait beaucoup de cas où on n'a pas suivi la piste des disparus. Et on savait que, exactement à ce moment-là, la commission d'enquête, déjà établie, allait faire l'enquête. Donc, on ne s'est pas donné, nous, le mandat de continuer des enquêtes en profondeur au sujet de chaque personne portée disparue. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur général. Monsieur Dautridge, Amnesty International est un organisme qui dénonce la violation des droits de l'homme. En matière de dénonciation, vous recevez des alertes. Avant de dénoncer, il y a un certain niveau que ces alertes doivent atteindre. Pouvez-vous nous parler de ce seuil d'alerte, de ce niveau d'alerte? Merci. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je me suis référé ce matin au niveau de preuve nécessaire pour déclencher nos actions, que ce soit une publicité, que ce soit un appel spécifique en faveur d'un individu. Bon, il faut dire qu'au début, en 82-83, on était en train d'établir, de se mettre en contact avec des informateurs fiables. Et il fallait quelque temps pour trier entre les informateurs fiables et les moins fiables. Bon, s'il s'agissait par exemple d'un tract d'un groupe d'opposants, on n'allait pas déclencher une action
sur cette base. Mais de temps en temps, les tracts des groupes d'opposition présentaient de renseignements vrais au sujet d'une massacre, par exemple. On a commencé en 82 à construire une espèce de base de données. Et à partir de ce moment où on pensait comprendre, nous, les méthodes officieuses, je peux dire, les méthodes utilisées par un certain gouvernement, à ce moment-là, c'est vrai que nous pouvions réagir plus rapidement. Parce que si on recevait maintenant le nom de quelqu'un arrêté et où on pensait qu'il y avait la probabilité de torture, et l'informateur s'était déjà montré fiable, alors dans ce cas-là, on n'allait pas attendre longtemps pour avoir une deuxième ou troisième confirmation. Mais au début, on allait beaucoup plus doucement. Donc, vous allez voir dans la documentation d'Amnesty que on a déclenché ces actions urgentes, ces appels, qu'à partir d'un certain moment, qu'au début c'était assez rare, qu'il y en avait beaucoup plus vers la fin des années 80, avant la chute du régime, après. Voilà. Sous le règne de M. Hissène Habré, vous avez eu le privilège au sacré de visiter certains lieux de détention. Pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez eu ce privilège-là? Combien de fois avez-vous visité les lieux de détention du régime de M. Hissène Habré? Merci bien. Alors, donc, c'est seulement lors de notre première visite en 91, personnellement, j'ai visité le centre de la DDS, la piscine qu'on avait transférée en cellule souterraine en 87. Donc, c'est seulement à ce moment-là. Quand je suis revenu une prochaine fois en 93, c'était pour aborder d'autres questions avec l'autorité en place. Et à ce moment-là, on n'a pas visité des centres de détention. Je peux même préciser qu'en 91, on n'a pas visité tous les endroits, même à N'Djamena, utilisés pour l'incarcération des détenus politiques jusqu'à décembre 90. On savait déjà que, je pense au début de cette année-là, que deux des centres utilisés pour les détenus politiques à N'Djamena s'étaient fermés, le camp de martyrs et un autre, et les détenus en question étaient transférés à la gendarmerie nationale. Donc déjà avant, il y avait un changement dans l'exploitation de certains centres, certaines cellules. Voilà. Dans quelques-uns de vos documents, vous avez eu à noter la détention de personnes mineures, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité, dont la fille de Hajj Mabrouka. Donc, parlez-nous un peu de leurs conditions de détention, parce qu'en matière de détention de mineurs, nous savons qu'ils doivent être gardés dans un quartier spécial. Alors, cela existait-il au Tchad? Merci, Monsieur le Président. À l'époque, c'est-à-dire pendant l'incarcération, des enfants en question, des femmes en question, on n'était pas suffisamment informés pour dire si les enfants se trouvaient à part, si les femmes se trouvaient à part. Donc, je pense que tout ce qu'on a appris là-dessus, c'était après décembre
2010, les deux enfants Tchéré, âgés de 13 ans, dont j'ai parlé vendredi dernier, je suppose qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont jamais réapparu. Et je ne peux pas vous dire s'ils se trouvaient avec des adultes, mais on n'a jamais appris qu'il y avait un endroit spécialisé pour la détention de la jeunesse. Et en quelque sorte, le témoignage de Mme Hawa Ibrahim Marjé confirme ces constats. Il y a eu, dans les soi-disant locaux, donc tout près de la Société tchadienne d'électricité et d'énergie, il y a une cellule spéciale pour les femmes. Ça, on a confirmé par suite. Mais il y a eu, si j'ai compris bien, également des femmes mélangées avec des hommes. Alors donc, j'ai l'impression, mais c'est seulement une impression, sur la base de quelques cas, que la fillette qui a été incarcérée à N'Djamena entre l'âge de 13 ans et 16 ans était avec des femmes adultes. Et c'est ce qu'elle nous a dit par suite en parlant de son transfert au nord, qu'elle était, je pense, avec 8 autres femmes. Mais transférée dans un endroit plein d'hommes, c'est-à-dire un camp militaire. Voilà, merci. C'est tout que je peux dire sur la situation des enfants et des femmes. Merci. Vous avez noté qu'après l'installation de M. Abré à la tête du pays, après avoir eu connaissance d'exécutions extrajudiciaires qui se seraient passées au sud du pays, vous lui avez envoyé votre premier message et c'était le 22 octobre 1982. Depuis lors, pouvez-vous revenir sur le nombre de messages que vous avez eu à envoyer au régime pour alerter? Non, je ne peux pas vous dire combien de télégrammes ou de messages directement envoyés à par notre secrétaire général lui-même, directement au président de la République. Je n'ai pas essayé de retrouver toute la documentation. Je peux vous dire que la plupart des 50 000 lettres et cartes envoyé aux autorités tchadiennes par des membres et des activistes d'Amnesty International ont été adressés au président de la République. Là, j'ai cité certains chiffres, n'est-ce pas, vendredi dernier, mais j'ai confirmé avec le rapport de la commission d'enquête, parce que c'est la commission et pas nous-mêmes, qui a trié tous ces messages pour voir qu'il y en avait quelques-uns de l'île Maurice, quelques-uns de l'Égypte, une vingtaine de messages de Côte d'Ivoire, etc. Mais la plupart étaient adressés au président de la République. Bien sûr, je ne sais pas combien ont été apportés directement à son attention. Vous avez peut-être mieux que moi une idée du contenu des lettres, parce que dans l'ordonnance de renvoi, je pense page 49, on cite le nom d'une lettre, mais d'une lettre adressée plutôt au directeur de la DDS, où l'activiste d'Amnesty International a cité toute une longue liste de prisonniers politiques dont on cherchait des nouvelles. Voilà. Je vous remercie. Et c'est ma dernière question. Lorsque le président Hissène Habré a quitté le pays pour venir s'installer au Sénégal via le Cameroun, M. Hassan Abakar,
président de la Commission nationale d'enquête, a dans sa lettre datée du 10 juin 1991 adressée à Madame Hélène Diaffé, noté que c'est sur votre recommandation qu'il lui demande de venir secourir d'anciens prisonniers qui ont eu à subir les atrocités du régime de M. Hissène Habré. Pouvez-vous nous parler de ce contexte? Qu'est-ce que vous avez eu à noter? Qu'est-ce qui vous a amené à faire une telle proposition au président Hassan Abacar? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. En mars 1991, la délégation d'Amnesty International qui s'est rendue au Tchad est allée un peu pour pas simplement s'informer sur les événements jusqu'à décembre 90, mais pour s'informer sur les besoins des anciens victimes de torture, des anciens détenus, des familles des disparus, etc. Heureusement ou malheureusement, on avait déjà eu l'expérience dans d'autres pays et on savait que, aussitôt que possible, il fallait assurer que les soins médicaux étaient accessibles. Donc on a, avec M. Mohamed Hassan Abacar, on a abordé cette question. Lui-même, je pense, il nous a posé la question, mais pour ces gens qui, même 3 mois après la libération, se trouvent dans un état pitoyable, et ça c'est bien sûr quelque chose que j'ai pu noter personnellement, après mes entretiens avec des anciens détenus, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc notre recommandation, c'était effectivement d'exploiter l'expertise du docteur Hélène Diaffé et son association des victimes de la répression en exil, basée à Paris, surtout parce qu'elle s'était déjà occupée de victimes de torture au Tchad, en exil. Donc elle connaissait déjà en quelques détails les pratiques dont les prisonniers avaient parlé. Et donc on a fait cette recommandation, on a fait cette référence. Et bien sûr, cette année-là, on a essayé nous-mêmes de déclencher une certaine assistance pour financer les besoins, les soins médicaux des anciens détenus qui ont subi la torture. Bien. Comme l'a relevé tout à l'heure les collègues, il suffit de porter dans le dossier, donc au code D1 jusqu'à D55, pour retrouver de Amnesty International. Il y a les listes des détenus donc, qu'on a retrouvées dans les archives de la DDS. Et ces milliers de cartes que la chambre d'instruction a constatées lors de l'exécution de la commission rogatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces alertes, que ce soit les lettres, les correspondances, les cartes, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si M. Hissène Habré pouvait ignorer ces différentes alertes, compte tenu des moyens de communication que vous avez déployés? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si Habré pouvait ignorer donc, ces alertes? Merci. Monsieur le Président, tout est possible. Mais tout n'est pas probable.
que les adjoints d'un chef de l'État décident de ne lui pas montrer une série de cartes ou une série de télégrammes, c'est possible. Qu'il décide de n'apporte pas à son attention l'existence de milliers de cartes, ça serait certainement irresponsable et donc pas très probable. Mais je crois que c'est surtout le fait qu'il y a eu ces communiqués de presse répétés par les différentes radios internationales et qui ont provoqué l'intérêt du service spécialisé de la DDS et que c'était le rôle de la DDS de renseigner le président de la République. Je pense là aussi, c'est peut-être même plus frappant. Nous avons utilisé cette même méthode dans d'autres pays et habituellement, le président de la République n'allait pas lire toutes les lettres que les gens lui avaient envoyées. Mais habituellement aussi, il allait être au courant. Et bien sûr, on espérait que lorsqu'on envoyait une communication très personnelle, donc par exemple une lettre ou télégramme envoyé par le secrétaire général d'Amnesty International, on espérait qu'il était bien au courant. Ce n'était pas toujours possible de confirmer. Voilà. Bien. Pouvait-il aussi ignorer les différents câbles diplomatiques que le rapporteur spécial des Nations Unies a envoyé au gouvernement tchadien? Je vous donne par exemple le rapport de Amos Wako, l'avocat kényan chargé de rapporter sur les exactions, les disparitions, les tortures pour le Tchad. Dans son rapport que j'ai pu découvrir dans le net, il dit que le 30 juin 1989, un câble a été envoyé au gouvernement tchadien suite à l'information donnée comme quoi qu'il y avait 100 personnes qui avaient été exécutées. Il s'agit des relevants de Leni Zagawa. Ont été arrêtés à N'Djamena le 1er avril 1989. Et il cite même les alertes que vous avez reçues, les noms des personnes contre qui ces exécutions, bien ces arrestations ont été exercées. Il cite le docteur Zakaria Fadoul, Saleh Fadoul, Ali Fadoul, Mahamad Fadoul, Yacoub Fadawi et Mohamed Ben Fadoul. Tous des frères de Sidik Fadoul, qui fut le chef de la police militaire. Ensuite, il y a un deuxième câble daté du 24 août 1989, où le rapporteur spécial fait état donc de 13 personnes de l'ennemi Zagawa qui avaient été arrêtées dans des circonstances exceptionnelles et avaient été donc détenus dans les prisons d'Israël. Ces câbles directement adressés au gouvernement tchadien par le biais des Nations Unies, est-ce que Abreu pouvait aussi ignorer ces alertes? Surtout que ces personnes-là citées, leurs noms ont été retrouvés dans les listes des archives de la DDS. Merci bien, Monsieur le Président, encore une fois. Tout est possible que le ministre ou le ministère des Affaires étrangères, qui est l'instance qui va recevoir des communications des Nations Unies, ne tient pas la présidence ni le président de la République au courant. C'est possible, mais pas approprié. Donc, je ne peux pas confirmer, je n'ai pas
trouver clairement un élément qui montre que les communications de M. Wako ont été montrées au président Abré, mais c'était certainement, ça aurait été surprenant, après pas seulement une communication, mais une série de communications à partir de 1986, très surprenant de penser que on n'allait pas informer le chef de l'État de toute cette vague de préoccupations, de communications de l'instance des Nations Unies, ni des communications confidentielles des Nations Unies. Parce que là, nous sommes moins informés, mais je peux vous dire que selon la procédure 1503 de la Commission des Nations Unies des droits de l'homme de l'époque, les rapports que nous avons présentés à la Commission des droits de l'homme étaient également communiqués au ministère tchadien responsable pour les affaires étrangères. Donc là aussi, on demandait sa réponse, sa réaction. Je ne sais pas, et les Nations Unies à cette époque-là ne publiaient pas des renseignements là-dessus, je ne sais pas s'il y a eu une réaction quelconque. Monsieur le Président, en novembre 1984, M. Hissène Abré avait tenu une conférence de presse devant des journalistes de la presse nationale comme étrangère. Et le contenu de cette conférence de presse a été transcrit par son agence de presse nationale. Et je voudrais être autorisé à vous faire écouter un élément sonore de 3 minutes sur la déclaration de Hissène Abré par rapport aux allégations d'Amnesty International. Si on est vu de la technique, c'est prêt, on peut monter l'élément sur autorisation du président. Est-ce qu'une partie aurait une objection par rapport à cela? Si c'est à la défense que vous vous adressez, Monsieur le Président, parce que je pense que s'il y a éventuellement une partie qui ferait objection à cela, ce serait bien nous, les conseils de Monsieur Abré. Je demandais si une partie, quelle que soit la partie. D'accord. En ce qui concerne la défense, il n'y a absolument aucun problème, Monsieur le Président. Tout est bienvenu pour la manifestation de la vérité. Merci. Je vous remercie. Bien. Si vous êtes prêt, on peut écouter le demain sonore, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Troisième élément, 15 novembre 1984, une interview du président. Tchadien qui répond aux accusations d'Amnesty International. Concernant les tortures, 13e et élément 15 novembre. Troisième élément, 15 novembre 1984, une interview du président Hissène Abré, le chef de l'État tchadien, qui répond aux accusations d'Amnesty International concernant les tortures, disparitions et répressions sévères exercées par les troupes gouvernementales tchadiennes contre les populations sudistes. 3 minutes. Il y a donc certains groupes qui n'ont pas voulu jouer le jeu de la réconciliation nationale. Et ce sont eux qui ont déclenché les hostilités dans le sud. Du côté du gouvernement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de rétablir l'ordre et la sécurité. C'est tout.
Ceci dit, la guerre, elle est ce qu'elle est. La guerre fait des victimes. Et personne de sérieux ne peut dire qu'il y a des guerres propres. Une guerre entraîne nécessairement des pertes, des dégâts, des souffrances. Ceci dit, les accusations d'atrocité, d'arbitraire, de massacre, ce sont là des affirmations gratuites, inacceptables. Ce ne sont pas dans nos méthodes. Et si nous faisons cette guerre, nous ne la voulons pas. Cette guerre nous est imposée. Et nous faisons tout pour éviter des pertes inutiles. Il y a bien sûr, dans cette situation, des gens qui ont été arrêtés, qui sont en prison pour entretenir des complicités avec les fauteurs de guerre. Et cela, ils resteront en prison, ils passeront devant les tribunaux, ils seront jugés en due et bonne forme. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, Monsieur le Président? Le front sud qui se développe, vous parlez d'une guerre, ou le front nord qui pourrait se réveiller? D'abord, les deux choses sont liées. Quelle est la stratégie de Gaddafi? Gaddafi, contrairement à ce que certains milieux disent, a des ambitions expansionnistes claires. Il y a 10 ans, c'était la bande d'Aouzou. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du BET. Et pour assurer en toute impunité ses conquêtes, il faut entretenir le feu par le nord et par le sud. Et aujourd'hui, nous savons comment les maquis du sud sont ravitaillés. Nous avons des preuves physiques, nous avons des prisonniers qui ont été entraînés en Libye, acheminés à Cotonou, à Brazzaville, ensuite avec des passeports diplomatiques introduits par la RCA, par le Cameroun. Donc, pour mieux nous affaiblir, pour mieux assurer sa présence dans le Nord et progresser, eh bien, il faut entretenir le foyer de troubles dans le sud du pays. Et je crois que c'est une bonne stratégie. À la place de Gaddafi, je ferai la même chose. Vous pouvez interrompre. Monsieur Mike, donc vous avez entendu cet élément à propos donc des allégations d'amnistie. Quelles sont donc vos réactions, votre impression par rapport à cet élément? Monsieur le Président, si j'ai bien suivi, je pense effectivement le chef d'État était bien au courant de ce que nous avons publié en novembre 1984. Et donc, il y a franchement une réaction qui semble dire que voilà, il n'y a pas eu des violations, ni massives, ni même petites, des droits humains, ni du droit humanitaire, alors que, selon le document que nous avons publié, il y a eu effectivement des citoyens non armés tués par des militaires ou par des forces de sécurité, et il y a eu violation massive du droit humanitaire, donc des conventions de Genève, lorsque à Delhi on a fusillé des anciens combattants Kodo qui avaient déposé leurs armes de guerre. Et en quelque sorte, là, il y a la justification aussi, ces références au président Gaddafi. C'est un peu la justification de la guerre froide. Et c'est les mêmes justifications
que j'ai entendus dans d'autres pays qui se mettaient ou avec les Américains ou avec les Soviétiques et donc allaient toujours culpabiliser les autres plutôt qu'accepter la responsabilité pour ce qui se passait dans son propre pays. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Maek, pour ce témoignage sincère. Et je retourne la parole à Monsieur le Président, le parquet ayant terminé ses questions. Bien, merci. Les représentants des partis civils ont donc la parole pour leurs questions. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Laissez-moi me présenter à nouveau. J'étais là le premier jour, mais je ne suis pas sûr que vous vous rappelez de moi. Mon nom est Alain Werner, je suis avocat constitué au barreau de Genève et je fais partie de l'équipe de Maître Modena. Merci. Je peux procéder ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dottrich, bonjour. Quelques questions pour vous. La plupart ont été posées de façon très pertinente par le bureau du procureur. Première question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un nommé Bichara Shaibo? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de M. Shaibo et de ce qui s'est passé, possiblement à cette époque, à son propos? Monsieur le Président, vendredi dernier, j'ai cité les noms de deux directeurs de la DDS. Je sais que M. Bichara Shaibo a été directeur adjoint de la DDS, je pense jusqu'à décembre 1986. Je crois qu'à ce moment-là, il a quitté le Tchad et on retrouve ses traces surtout au Togo. Je crois qu'au Togo, éventuellement, il a eu le statut de réfugié protégé. Et qu'en septembre 1988, il a été refoulé au Tchad. Selon notre documentation, c'était sous terme de mandat d'Interpol, mais je n'ai pas pu confirmer moi-même que c'était le cas et qu'il était accusé d'assassinat. Selon ce que nous avons appris par suite, M. Bichara Shaibo a été arrêté au moment de son arrivée et qu'il est mort environ 10 jours après son arrivée au Tchad, donc il a été tué. Sans doute c'est un cas compliqué. J'ai compris qu'il n'est pas resté au Togo, qu'il est allé jusqu'en Suisse et qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse. Je n'ai pas accès à la documentation du gouvernement suisse, donc je ne sais pas exactement quelle était la réponse donnée à cette demande d'asile. Voilà en bref ce que je veux dire au sujet de l'ancien directeur adjoint de la DDS. Vous avez mentionné le fait qu'il était décédé. Est-ce que vous savez où il est décédé? Je pense qu'on n'a pas eu de précision si c'était au centre de la DDS ou à la présidence ou ailleurs à N'Djamena. Mais il était à ce moment-là en détention. Et est-ce que vous avez obtenu par la suite, à l'époque, ou par la suite, des détails sur l'ordre d'arrestation qui a été donné? Est-ce que vous savez quoi que ce soit sur cet ordre? À l'époque, non.
Par suite, bien sûr, après décembre 89, on nous a raconté un peu plus à son sujet. En général, ce ne sont pas des choses que je peux confirmer, donc je ne veux pas les présenter à la Cour. C'est sûr qu'il a été cité par des anciens détenus comme un bourreau, comme quelqu'un qui a pas seulement torturé, mais qui a tué. Il était censé être quelqu'un qui utilisait le poison. Mais voilà, je ne peux pas dire plus. Et puis par rapport au transfert, vous avez mentionné un transfert. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vos informations, de où à où il a été transféré, si vous le savez? On a compris que c'était à Lomé et de Lomé à N'Djamena. Et voilà, je pense, dans un de nos rapports annuels, on parle de ce refoulement. Est-ce que vous savez comment il a été transféré? Non, je ne pense pas. Et est-ce que vous avez eu des informations à l'époque ou plus tard sur qui était derrière, si vous savez quoi que ce soit sur l'ordre d'exécuter ce transfert? J'ai compris que c'était à la demande des autorités tchadiennes. Et que c'était un mandat d'Interpol qui a été émis pour justifier son renvoi à N'Djamena. Mais encore une fois, je veux dire que je ne l'ai pas confirmé auprès de l'Interpol. Et puis je vous demandais, vous venez de déclarer, j'ai compris que c'était à la demande des autorités tchadiennes. Comment vous l'avez compris? Vous pouvez répéter la question? Excusez-moi, M. Dautrich. Vous avez déclaré que vous avez compris que le transfert avait été effectué à la demande des autorités tchadiennes. Est-ce que vous arrivez à nous dire comment vous l'avez compris? Tout simplement, à l'époque, c'était de nos informateurs qu'on a appris ce transfert, qu'on a compris que, voilà, s'il s'agissait d'un mandat d'Interpol, c'était seulement les autorités tchadiennes qui allaient être à l'origine de cette demande. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé des communications entre la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions sommaires et arbitraires et les autorités tchadiennes. Est-ce que, à votre sens, vous avez été exhaustif sur ce sujet, ou est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur, à votre avis, ce que vous avez appris à l'époque ou plus tard sur le nombre, la teneur de ces communications? Heureusement, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions sommaires et arbitraires publié ses rapports annuels. Donc, il était transparent au sujet de ces communications. Selon tout ce que j'ai lu, il n'a jamais reçu une réponse quelconque des autorités tchadiennes. Donc, je note, pas le dernier, mais l'avant-dernier des rapports annuels pertinents, donc publié en février 1989, qu'il avait, selon son rapport, demander des informations sur toute une série d'allégations et notamment sur les enquêtes ouvertes au sujet de ces allégations. Il a demandé des rapports d'autopsie compris. Il a demandé des informations au sujet des mesures prises par les autorités pour traduire en justice les responsables et pour prévenir de nouveaux décès. Mais dans son rapport, il note qu'il n'a pas reçu une seule réponse.
Et vous, vous avez une compréhension précise sur les années du nombre de ces rapports? Selon les différentes procédures, on pouvait nous adresser au rapporteur spécial sous terme de sa procédure d'urgence dès qu'on avait un nouveau renseignement confirmé au sujet d'une exécution extrajudiciaire, et donc on a communiqué, on lui a envoyé beaucoup de communications. Par contre, l'autre procédure confidentielle, ce n'était que une fois par an vraiment qu'on avait la possibilité de déposer au niveau de la commission des droits de l'homme les derniers renseignements reçus. D'accord. Donc vous n'avez pas une idée, vous ne pouvez pas nous donner un nombre, à votre avis, approximativement, du nombre de ces rapports? Non, je ne peux pas. Est-ce que vous arrivez à nous approximer un nombre de communications envoyées par Amnesty International au rapporteur spécial sur ces années? Non, je peux vous dire qu'il les premières, c'était en 86. Et donc, chaque année, jusqu'à la fin de l'année 90, on a continué à les envoyer. En gros, c'était surtout les mini-rapports dont j'ai parlé vendredi matin, publiés pas seulement en 86, mais chaque année après. Et de temps en temps, un résumé des noms des victimes qu'on pensait tuées en détention ou portées disparues et tuées par suite. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé ce matin également de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Vous avez mentionné cette procédure non publique. Est-ce que vous avez été exhaustif à ce sujet, ou est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Est-ce que vous avez appris des choses par la suite sur la teneur de ces communications? Non, c'est vraiment une procédure confidentielle. De temps en temps, ça pourrait, après 5 ans ou plus, aboutir à la nomination d'un rapporteur spécial des Nations Unies qui allait s'enquêter tout spécialement au sujet d'un pays spécifique. Alors, la Commission des droits de l'homme n'est pas arrivée à ce point. Donc, on dépendait beaucoup sur le rapporteur spécial sur les exécutions sommaires et arbitraires. D'accord. Vous avez mentionné ce matin et la semaine passée, vendredi, votre visite en mars 91. Ce matin, vous avez, sur question du bureau du procureur, vous avez expliqué que vous aviez visité la piscine. Vous avez mentionné, si ma mémoire ne me trahit pas, un centre de la DDS. Vous arrivez à nous expliquer exactement lequel c'était? Voilà le quartier général de la DDS. À ce moment-là, ce n'était plus utilisé par une agence de sécurité. Ce n'était pas vide, c'était plein de documents. Accompagné par des anciens détenus ainsi que des gens de la commission d'enquête, on nous a montré certains endroits des cellules, mais également un endroit où, selon ce qu'on nous a dit, on a tué des prisonniers dans la cour. Je ne peux même pas vous dire aujourd'hui l'adresse sur quelle avenue ça se trouve, mais le bâtiment est encore là. C'est juste en face maintenant, et également dans les années 80, d'un bureau utilisé par des diplomates des États-Unis.
Et à l'époque, peut-être un des aspects les plus frappants, c'était que là où, selon tout ce qu'on avait appris, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de tortures, et ça ne se fait pas sans débris, qu'il y avait des représentants d'un État étranger juste en face. Voilà. C'est vraiment tout ce que je peux dire sans parler de ce que nous avons vu dans les cellules. Ce n'est pas tellement pertinent. Je crois que si la commission d'enquête peut vous montrer les images qu'elle-même elle a tirées à l'époque ou avant de notre visite, que ça vous donne plus de renseignements précis sur les cellules de la DDS. Monsieur Dautrich, juste pardonnez-moi si ma question est naïve, mais pour que je comprenne bien, donc ce centre de la DDS, ce seraient les locaux? Ah non, pas du tout. Non, il y a une série d'endroits différents. Les locaux se trouvaient ailleurs, c'était donc tout près de la société tchadienne d'énergie et de l'électricité. Il y avait une cellule que je n'ai pas visitée à la brigade spéciale d'intervention rapide, qui était donc un service de la DDS. Il y avait beaucoup de cellules à la gendarmerie nationale. Il y avait des cellules au camp des martyrs, dit camp des 13. Il y avait au moins deux cellules à la présidence. Donc il y a plusieurs endroits. Et je dois souligner que un détenu, surtout s'il arrive à un centre de détention avec les yeux bandés, il ne peut pas voir, il ne va pas nécessairement savoir où il se trouve. Par contre, ceux ou celles qui sont restés quelques ans, donc beaucoup de personnes, ont appris beaucoup plus sur exactement où ils se trouvaient. Je crois que j'ai déjà expliqué en 85, au moment de notre visite à N'Djamena, on n'avait même pas compris tout à fait le titre de la DDS. On a parlé du bureau de la documentation et de la sécurité plutôt que la direction. Mais voilà, il fallait donc un certain temps pour nous informer sur la structure, les responsabilités même officieuses et les méthodes de chaque service de sécurité et de chaque endroit à N'Djamena où il y avait des détenus. Et j'ai même pas parlé de la maison d'arrêt. Et bien sûr, c'est à la maison d'arrêt qui se trouvaient des soi-disant prisonniers de guerre, soit des prisonniers des anciens militaires libyens, soit des anciens militaires de Gunt, et quelques-uns qui ont été, selon les rapports publiés par le département de l'État américain, quelques-uns seulement ont reçu la visite du comité international de la Croix-Rouge, qui était le service international responsable pour la protection des prisonniers de guerre. Maintenant, vous avez mentionné ce matin que vous n'aviez pas compris le réel niveau. Vos mots sont le niveau d'horreur par rapport aux conditions de détention que vous l'avez découvert après. Est-ce que cela vous est apparu cette compréhension du niveau d'horreur après cette visite? C'était même avant, parce que dès que des squelettes, parce que c'était pratiquement des êtres humains vivants, mais des squelettes, sont sortis au début décembre 90, on était informés tout de suite par leur témoignage
qu'on a écouté à la radio, que les conditions et les traitements étaient épouvantables. Alors avant, bien sûr, on avait rencontré des anciens détenus, surtout en France, des gens qui souffraient encore, qui nécessitaient des soins médicaux, mais ce n'était pas d'un jour au lendemain après leur libération, c'était souvent des mois après. Donc, ce n'était pas des simples squelettes à ce moment-là, ces gens-là. Le niveau des décès, c'est vraiment en parlant en mars 91 aux anciens détenus qu'on a commencé à comprendre combien de personnes ont été tuées. Et puis vous avez déclaré que lors de votre, toujours cette visite en mars 91, vous aviez compris que les disparus que vous aviez comptabilisés étaient morts. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous êtes arrivé à cette compréhension? Comment est-ce que vous avez compris, découvert que cette personne était morte? Il y a eu, je pense, trois voies de communication. Dans certains cas, des ministères, même avant notre visite, ont envoyé des renseignements aux membres d'Amnesty International qui s'étaient adressés à ces ministères au sujet de quelqu'un qui n'a pas réapparu. Et ils ont confirmé une disparition définitive, donc la mort de quelqu'un, sans avoir eu trace ni du cadavre, ni des détails sur le sort de la personne. Bon, deuxièmement, c'est des renseignements plus précis donnés par les détenus que nous avons rencontrés par suite. Et là, je dois dire qu'avec mon départ d'Amnesty International en 95, qu'on n'avait pas encore terminé, on a continué à s'entretenir avec des anciens détenus. Après mon départ, mais dans quelques cas, on a reçu une information plus concrète, je ne peux pas dire définitive. Par exemple, quelqu'un à la DDS dit « Monsieur Untel était avec nous jusqu'à fin de ce mois-ci ». Il a été transféré à la présidence, selon ce qu'on avait compris, et on ne l'a pas vu après. Et troisième voie, c'est vraiment la vide. C'est-à-dire, tout simplement, comme les six personnes dont j'ai parlé arrêtées à Abéché en juillet 1993, tout simplement, il n'y a pas eu de suite. Mais à un moment où... pas seulement nous, mais toutes les personnes que nous avons consultées au Tchad ont confirmé qu'il n'y avait pas un autre centre de détention secret où des gens arrêtés avant décembre 90 pouvaient rester au secret. À ce moment-là, on est arrivé à la conclusion que les autres sont morts. J'ai encore deux questions, monsieur le procureur. Est-ce que je peux... Alors, est-ce que je peux finir mes deux questions ou vous voulez suspendre maintenant? Oui, à l'accoutumé, nous avons l'habitude de suspendre les audiences à 11h. Donc, si vous estimez qu'il est opportun, on pourra déjà prendre donc, la pause de la demi-journée en ce moment-ci.
Bien, donc nous allons observer la pause de la demi-journée, mais je voudrais inviter toutes les parties, je dis toutes les parties, parties civiles, défense et accusation, à nous rejoindre au niveau de la salle de délibération, juste en haut, pour qu'on puisse discuter d'un certain nombre de petits problèmes. Voilà, on passe par là, je pense.